Genève internationale, nous nous réjouissons beaucoup d'entendre nos trois intervenants d'aujourd'hui. Ces débats Genève internationale ont lieu grâce au soutien du canton de Genève, République et canton de Genève, et je remercie le délégué à la Genève internationale, M. Olivier Couteau, d'être avec nous aujourd'hui et de continuer de nous soutenir. Je remercie toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, et ce débat a lieu en collaboration avec l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes, l'ICAM, que vous connaissez tous. Monsieur Alain Vittard, son directeur, est là, au fond de la salle. Tu peux t'asseoir, Alain, si tu veux, il y a de la place pour toi au premier rang. Nous nous réjouissons beaucoup de ce débat parce que nous avons aujourd'hui des personnalités qui sont des fidèles, je dirais, du Club Suisse de la Presse, et notamment Madame le professeur Laurence Boisson-Chazourne, qui vous connaissez bien le club, ainsi que Monsieur Valentin Zellweger. Vous êtes l'ambassadeur de Suisse auprès des organisations internationales. Vous soutenez aussi le club. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois M. Georges Corr. Je vous remercie, nous vous remercions tous d'être là aujourd'hui avec nous. Vous êtes professeur, vous avez été ministre, vous êtes auteur, et Alain Bittard a eu la bonne idée de nous apporter vos livres. Et vous êtes une personne qui vivait à la fois au Liban, je ne sais pas si vous venez du Liban ou si vous avez passé par Paris, donc merci beaucoup. J'annonce aussi que demain soir, vous allez donner une conférence à l'université à 18h30, je crois, à Unimail, sur le devoir de mémoire au Liban, si je ne m'abuse. C'est ça. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons vous poser une question par rapport à la gouvernance mondiale. N'est-elle, au fond, qu'une utopie? Je sais qu'il y a peut-être différents points de vue autour de cette question de l'utopie de la gouvernance mondiale. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous demander de bien vouloir prendre la parole. Alors. Je vous remercie. Je vous remercie de l'accueil que vous me faites et de participer avec les autres personnes sur cette table à une question très difficile. Je commencerai par dire que je n'aime pas le terme gouvernance. Ah, très bien, ça lance le débat. Oui, vraiment, avec mon cartésianisme étroit peut-être, et mon amour de la langue française, c'est un anglo-saxonisme que je trouve un peu bizarre. On peut parler de bonne gestion, n'est-ce pas? On peut parler d'une gestion conforme à la loi. Mais moi, chaque fois qu'on me parle de gouvernance, c'est un peu comme le terme aussi le développement durable. Si on se développe tout le temps, comment peut-on être durable? Bon, c'est des mystères onusiens, là. Ce sont des concepts qui nous viennent des Nations Unies, qui par ailleurs fait des choses remarquables. Ce n'est pas du tout pour critiquer les Nations Unies, non, mais c'est un peu pour introduire de l'esprit critique dans les concept nouveau que nous employons. Et si vous voulez, je vous donnerai un exemple aujourd'hui. C'est très commode, la gouvernance, parce que finalement, vous n'avez personne de responsable, ou alors la responsabilité retombe sur les tout-petits. Je vais prendre le scandale de la Société Générale il y a quelques années à Paris, où la Société Générale avait perdu 4 ou 5 milliards de dollars en mauvais trading. Et puis, on a trouvé que l'erreur était celle d'un petit trader qui n'avait pas beaucoup d'importance dans la maison et qui aurait échappé au système de gouvernance de la maison. Bon, et tous les hauts responsables de la Société Générale s'en sont très bien tirés. Donc, moi, je me méfie beaucoup du concept. Hein,
J'ai une formation de juriste que j'aime bien et j'aime les choses précises. Alors, on pourrait peut-être me dire, oui, mais c'est toute la différence entre l'esprit anglo-saxon, qui a beaucoup de plasticité. D'ailleurs, on nous l'a fait avec les résolutions des Nations Unies, se retirer de territoires occupés ou se retirer des territoires occupés. Donc là aussi, je m'accroche à une francophonie. Je crois que la langue française est la langue du droit par excellence. Je pense que l'allemand aussi il est, mais ne connaissant pas l'allemand, je ne peux pas en parler. Donc là aussi, moi, je trouve qu'il faut appeler un chat un chat. Hein, et puis, il y a ce remarquable article 15 de la... Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que chaque fonctionnaire public est redevable de son administration à ses administrés. C'est clair. Aujourd'hui, quand on vous parle de système de gouvernance, où est la responsabilité? Comment peut-on... On vous dira, oui, c'est le système. C'est le système qui a... Il y avait quelque chose qu'on n'a pas vu dans le système, on va réparer tout ça. Mais... Combien de milliards d'euros ou de dollars se sont envolés dans la nature avec les spéculations des banques au cours des dernières années, on l'a vu. Combien de milliers de milliards ont été injectés par la Banque Centrale Européenne dans les systèmes bancaires sans beaucoup faire bouger la conjoncture économique. Donc... Je crois qu'il faut être très précis en matière de responsabilité et avoir justement un système où les responsables de malversations, qu'elles soient d'ordre divers, n'est-ce pas, puissent être immédiatement identifiés. Aujourd'hui, c'est très pratique. Hein, vous avez des directeurs de banque qui ont perdu des milliards d'euros ou de dollars aux États-Unis. Hein, et puis finalement, je n'ai vu personne mis en prison. Et pourtant, ce sont des milliards. C'est l'argent des citoyens, c'est l'argent des impôts, finalement. À part le minuscule Jérôme Kerviel de la Société Générale, personne n'a été en prison. Je crois que le président de la Société Générale a peut-être été écarté ou a démissionné au bout d'un certain temps. Mais il n'y a pas eu plus que ça. Je peux aller plus loin si on doit parler droit international. Je pense aussi que ce qui fait le plus de tort à l'idée du droit international, c'est les droits à application variable. On décide que tel dictateur ne vous plaît pas, brusquement, et puis allez, en avant la musique, hein, avec l'idéologie des droits de l'homme. Et puis, il y aura à côté un dictateur non moins infréquentable, mais pour des raisons géopolitiques, on ne dira rien du tout. Hein. Alors, moi, je crois qu'on ne peut pas faire mieux pour décrédibiliser cette très noble notion des droits de l'homme, qu'il est important de préserver, parce qu'elle est très belle. Mais si on fait joujou avec de cette façon... Si vous avez des droits à géométrie variable, ce n'est plus du droit. On revient, hein, ce n'est plus des droits de l'homme. C'est simplement un instrument aux mains des puissants du système international, et notamment, pour le dire, les États-Unis, qui sont quand même la puissance dominante dans le système international. Moi qui crois aux droits de l'homme, moi qui aime les droits de l'homme, je trouve que c'est les décrédibiliser que d'avoir des droits de l'homme à application variable. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour cette intervention. Je me tourne vers vous, Madame Laurence Boisson-Chazourne. Pour vous, la gouvernance mondiale est-elle une utopie? Merci, Louisa. Voilà. Ouais. Merci, Louisa. Donc, c'est... Comme l'a dit M. Combe, la gouvernance est une notion, oui, il y a une plasticité de cette notion, on peut finalement dire beaucoup de choses sous le couvert de la notion de gouvernance. Alors,
Je suis professeure à l'Université de Genève et j'enseigne le droit des organisations internationales. Donc c'est sous cet angle, sous ce prisme que j'ai compris la notion de gouvernance internationale. Mais j'accepte tout à fait ce que dit M. Combe sur le fait que c'est aussi le mieux-être des personnes et qu'il y a aussi un aspect de gouvernance sur lequel on pourra revenir. Alors quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit finalement la gouvernance à l'heure actuelle, notion plastique, on l'utilise pour recouvrer tout ce qui a trait aux organisations internationales ou aux para-organisations internationales. Et dans ce contexte, je me suis dit que, en tout cas, je pense que ce n'est pas une utopie parce qu'il y a eu des, et je voudrais le souligner, je vais en parler, il y a des faits, des étapes qui ont été franchies au cours du XXe siècle. Et donc, je dirais quelques mots sur cela. Je rejoindrai une question qui a été posée par M. Combe, c'est finalement, cette gouvernance que l'on a érigée au XXe siècle, est-ce qu'elle est durable au XXIe siècle? Et c'est ça, en fait, à mon avis, la grande question sur laquelle on devrait s'interroger, en tout cas pour le sort des organisations internationales. Alors pourquoi est-ce que je dis que je pense qu'il y a eu une tentative réalisée d'utopie au cours du XXe siècle? C'est parce qu'au cours du XXe siècle, avec la pensée, l'action d'hommes et de femmes, on a créé des organisations internationales qui ont permis de bâtir un collectif de peuples, d'États autour de valeurs communes. Alors, on a fêté le centenaire de la Société des Nations, on fête en ce moment le centenaire de l'Organisation internationale du travail. Je pense que quand j'ai dû me replonger sur l'Organisation internationale du travail, il y avait des utopies magnifiques derrière la création de cette organisation, avec des acteurs non étatiques qui étaient partie prenante à toutes les décisions au sein de cette organisation. Et on a consacré des valeurs communes, la paix, hein, c'est à partir de la Société des Nations qu'on a parlé de la paix, du règlement pacifique des différends, du respect du droit des minorités, et puis plus tard on parlera du respect des droits de l'homme. Donc ça c'est une première étape. Une deuxième étape à mon avis importante, c'est ce qui se passe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'Organisation internationale du travail. Là aussi, chaque fois que je retourne à la Charte des Nations Unies, je me dis que c'est un instrument qui serait impossible de négocier à l'heure actuelle. C'est une véritable utopie consacrée, hein, où on parle de solidarité entre nous tous. Et donc, ça nous permet de resserrer les liens. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis dit, voilà, il y a eu cette utopie consacrée d'une certaine manière, hein, parce qu'on parle des organisations internationales. Mais quand on réfléchit bien, on se dit finalement, cette utopie consacrée, elle s'est bâtie sur un présupposé. Elle s'est bâtie sur un présupposé. Et ça, ça a été le sortir de la Première Guerre mondiale, le sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'il y avait besoin de coopération. Il y avait un besoin de coopération parce qu'il y avait des bénéfices qui étaient tirés de la coopération. Parce que, je veux dire, nous, pour tous les peuples, représentés par nos États, nous étions interdépendants. Nous étions interdépendants et donc nous avions besoin de travailler ensemble, parce que travailler ensemble, et c'est le présupposé de toutes les organisations internationales, allait nous donner plus d'avantages, plus de bénéfices en termes de bien-être, en termes de commerce international, si on pense que c'est une valeur, etc. etc. Et on disait aussi, je suis un peu retournée à la pourquoi est-ce qu'on a voulu créer ces organisations? Il y avait aussi le fait que les coûts de transaction seraient moindres, qu'il y aurait un partage d'informations, qu'on pourrait mieux se comprendre les uns les autres. Et à mon avis, la question qu'on doit se poser à l'heure actuelle, et certains nous provoquent hein, dans cela, c'est de nous demander si ce présupposé de la coopération qui va nous donner des bénéfices, est-ce que c'est un présupposé toujours valable ? Au plan universel en tout cas, hein, parce que je parle des organisations internationales universelles. Alors, on le voit, et je pense que ce n'est pas simplement les États-Unis, en fait, c'est beaucoup de pays. Hein, on est en train de remettre en question, en fait, ce postulat. Et puis, on se dit finalement que l'approche unilatérale, elle peut apporter ses fruits, elle peut apporter peut-être de meilleurs fruits. L'approche bilatérale, etc. On pense aussi, par exemple, à ce que fait une autre grande puissance, la Chine, avec les routes de la soie, etc. Et alors, je pense que l'on doit se demander si notre collectif tel que forgé au cours du XXe siècle va perdurer. Et alors, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, finalement,
Il y a une question qui s'est passée au cours du XXe siècle, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une inclusivité politique, parce qu'on a permis l'affranchissement de tas de peuples qui se sont affranchis de la domination coloniale, qui sont ensuite rentrés au sein des Nations Unies. Cette inclusivité, à part certains restants qui demandent encore à faire partie de la communauté des États et à être reconnus, cette inclusivité, à mon avis, elle est presque aboutie. Mais il me semble que maintenant, le défi, je n'ai pas trouvé de nouveaux mots, et peut-être que M. Combes ne va pas aimer ce terme, c'est le défi d'une inclusivité plurielle. C'est-à-dire que les États ne peuvent plus représenter tout ce que veulent les composantes de la communauté internationale. Et dans ce contexte-là, et l'ambassadeur en parlera peut-être, je pense que Genève est un véritable laboratoire, parce que Genève a permis la mise en place de nouvelles plateformes, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, où finalement des acteurs étatiques, des acteurs d'organisations internationales, des fondations, des représentants de la société civile, tous peuvent travailler ensemble. Mais la question que je me pose est véritablement, c'est que je pense que sans doute ces plateformes peuvent avoir leur utilité pour des objectifs précis. Dans le domaine de la santé, je pense que ça fait, il n'y a plus vraiment de questions, sauf à se demander si véritablement ceux qui donnent des fonds pour cela, parce que c'est souvent le secteur privé ou des fondations, comment elles sont redevables. À l'heure actuelle, nous apprécions la fondation Bill Gates, mais il y aura peut-être d'autres fondations et qui auront d'autres valeurs à poursuivre. Et là, je crois qu'il y a véritablement un besoin de travailler mieux sur cette gouvernance, parce que c'est pas simplement le secteur privé qui peut représenter les intérêts généraux de la communauté internationale. Après, il y a aussi, je crois, on ne peut pas le nier, dans tous nos pays, il y a un désenchantement. Il y a un désenchantement de la part de différentes composantes de la société. Et je pense, et ça c'est aussi un défi, c'est que maintenant on parle beaucoup en termes d'effectivité. Et c'est vrai sans doute que les bénéfices de la coopération, ils n'ont pas toujours été effectifs. Alors dans le discours, je pense que, mais il y a notamment dans l'aide au développement, etc. Il y a dans tous les palliatifs à la globalisation effrénée, tout ça, on y a peu pensé et il y a un manque d'effectivité. Et ce désenchantement, à mon avis, c'est un grand défi pour nous tous. Et d'ailleurs, en droit international, on ne sait pas très bien comment y faire place encore. Et alors, je me suis dit, mais finalement, quel serait l'instrument, et je finirai avec cela, quel serait l'instrument international qui permettrait peut-être de réenchanter un peu dans un domaine particulier. Et j'ai pensé à l'accord de Paris sur les changements climatiques, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je trouve que c'est un modèle de gouvernance, d'une certaine gouvernance intéressant, puisque c'est un accord qui s'adresse tant aux États qu'aux acteurs non étatiques. Et en fait, on se rend compte que dans le domaine des changements climatiques, beaucoup va venir de l'infra. Beaucoup viendra de l'infra. L'État sera soumis à pression par les communautés régionales, les villes, etc., les groupes de jeunes. Et alors, je me suis dit que ça, c'était finalement le défi de cette inclusivité plurielle, c'est comment est-ce que le droit international peut parler à toutes ses composantes. Et l'accord de Paris, c'est une prémisse, mais bien sûr, il y a encore beaucoup à faire pour bâtir sur cela. Voilà. Merci, madame. Je me tourne vers vous, monsieur l'ambassadeur. Alors, vous êtes au cœur de la Genève internationale. Vous représentez un État. Vous avez entendu ce qu'a dit madame Laurence Boisson de Chazourne. On a vraiment l'impression aujourd'hui que cette gouvernance mondiale, elle ne dit pas grand-chose aux citoyens, malheureusement. Alors, est-ce qu'elle est mal expliquée? Est-ce qu'elle est mal nommée, comme dirait M. Korm? Qu'en pensez-vous? N'est-elle qu'une utopie? Et comment faire en sorte aussi que les citoyens, les jeunes, se mobilisent, la société civile se mobilise? Comment faire pour que cette gouvernance mondiale, justement, ne soit pas qu'une utopie? Merci beaucoup, Louisa. Merci d'avoir organisé ce débat. C'est un débat important, mais merci aussi d'avoir choisi ce titre. C'est moi le terme de gouvernance qui m'interpelle. Je ne sais pas que je l'aime ou je ne l'aime pas. À vrai dire, je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, mais je pense que c'est un avantage. C'est plutôt le terme utopie qui m'interpelle. Et il est tellement question aujourd'hui d'une crise du multilatéralisme, de la critique vis-à-vis des Nations Unies, ce que
Laurence Boisson de Chazon appelle le désenchantement général, que vous auriez pu choisir le titre « N'est-ce qu'une dystopie ?». Et le fait que vous ayez choisi l'utopie, pour moi, est important parce que ça reste, la gouvernance mondiale reste une aspiration de nous tous. Et je trouve que c'est très bien exprimé dans ce titre. C'est une aspiration parce que nous en avons besoin. Donc, est-ce que ce n'est qu'une utopie ou est-ce que c'est plus ? À mon avis, et vous n'allez pas être très surpris, je suis payé pour ça, mais je pense, j'y crois profondément, c'est une réalité. Et donc, j'essaierai juste de vous donner quelques indications pourquoi la gouvernance mondiale est une réalité, même si je ne pourrais pas vraiment vous dire ce que signifie le terme de gouvernance. Ce qu'il signifie, c'est certainement qu'il y a une coopération au niveau international. Et je pense que personne ne doute de la nécessité d'avoir une telle coopération. Cette coopération, elle fonctionne. Elle fonctionne très bien, elle fonctionne trop bien, elle fonctionne tellement bien que nous ne nous en rendons plus compte tous les jours. Vous avez probablement tous un téléphone mobile. Vous traversez la frontière, vous allez en France. Votre téléphone, il continue à fonctionner. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la magie. Il y a un grand travail derrière. Vous allez prendre l'avion à l'aéroport. Vous allez n'importe où. Vous êtes assuré, vous êtes protégé et tout fonctionne. Ce n'est pas magique. Il y a un grand travail. Il y a la IATA derrière. Il y a la question des fréquences. On a parlé de la question de la santé. Il y a tout un domaine, un immense domaine qui fonctionne merveilleusement bien. Le professeur Korn, mais je crois que nous sommes tous juristes, donc nous partageons certainement des sensibilités, le professeur Korn a établi le lien avec le droit international. Je pense que c'est effectivement un lien très intéressant. Et vous vous souvenez qu'on avait une votation l'année passée en Suisse sur l'autodétermination, l'initiative populaire sur l'autodétermination, qui a posé la question de la valeur du droit international. Et nous avions exactement le même problème. Comment est-ce que on illustre l'énorme valeur du droit international? Ça s'applique également aux organisations internationales. Il y a tout le monde qui vient, et vous m'excusez, monsieur le professeur, mais tout le monde qui vient avec certains exemples où ça n'a pas marché. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous que l'application équitable du droit ou dans le travail des organisations internationales est absolument crucial pour établir la légitimité et la crédibilité de l'action de ces organisations. Ce n'est pas toujours le cas, mais nous le savons. C'est comme si je vous disais, les hôpitaux, on n'en a plus besoin parce qu'il y a toujours des morts. Il y aura toujours des morts, il y aura toujours des maladies. Donc, on a construit des hôpitaux pour pallier aux conséquences de ces maladies, mais on ne pourra jamais exclure qu'il continue à y avoir des morts et des malades. C'est exactement la même chose pour les organisations internationales. Mais personne n'est là, Louisa, je viens au point que vous avez soulevé en guise d'introduction, je viens à la question de la communication. Je pense effectivement que c'est le défi principal dans notre travail. Nous devons trouver des moyens d'illustrer ce qui est fait, l'énorme travail qui est fait par les organisations internationales. Bien sûr, d'un côté, il y a des chiffres, je ne vous mentionne qu'un seul, le SIDA. Le SIDA, il y a 15-20 ans en arrière, même les experts pensaient que ce sera un défi qu'on n'arrivera pas à maîtriser. Aujourd'hui, non seulement on l'a maîtrisé, mais on pense que vers l'année 2030, le SIDA sera une maladie comme les autres. Juste un défi d'un point de vue de la santé globale, mais pas plus. Donc c'est dû à l'avance, à l'innovation scientifique, mais c'est également dû à un travail énorme qui est fait par l'OMS, par ONU-SIDA, etc., qui travaille dans des pays. Vous allez me dire, ce travail, pour moi, il n'est pas très important. Si, il est absolument crucial, parce que vous devez travailler avec les populations à risque. Vous devez travailler avec les homosexuels, avec ce qu'on appelle en anglais les sex workers, et vous devez travailler avec des drogués. Donc, comme vous vous imaginez, dans certains pays, c'est extrêmement délicat. Alors là, il n'y a que les organisations internationales qui peuvent faire ce travail. Et nous sentons aujourd'hui que dans certains pays, il y a de nouveau un effet contraire.
Et donc, il y a une resurgence de la, du taux de, comment est-ce qu'on dit, de gens qui attrapent la maladie. Parce que les organisations internationales n'ont plus le même accès qu'elles avaient auparavant. Donc là, il y a un lien cause-effet qui est très direct. Donc c'est non seulement l'avance scientifique qui a avec les médicaments rétroviraux, mais c'est également le travail politique, le travail sur la gouvernance qui a été fait par les organisations internationales. Donc, où est-ce que cela nous laisse? Ça nous laisse au cœur même de ce débat sur la crise du multilatéralisme. Pourquoi est-ce qu'il y a une crise du multilatéralisme? Moi, je vous dirais que les organisations internationales, aujourd'hui, elles ne sont pas plus mauvaises que pendant la guerre froide, mais on n'en parlait pas. On ne parlait pas d'une crise. On parle d'une crise parce que le monde change. Et nous le sentons tous. Le monde change à tous les niveaux. Il change au niveau le plus haut, c'est de la géopolitique. Il y a les États-Unis qui commencent à changer leur rôle. Il y a la Chine qui s'affirme de plus en plus, non seulement sur le plan politique, mais également économique, c'est très important. Et ensuite, vous avez toutes ces puissances régionales qui s'affirment de plus en plus. N'oubliez jamais, on est très fiers ici à Genève, des conventions de Genève. Vous savez combien d'États ont négocié les conventions de Genève en 49? C'est une bonne cinquantaine. C'est une bonne cinquantaine qui, en plus, venait presque exclusivement d'un seul continent. C'est beaucoup plus facile de négocier un traité entre 50 si, en plus, vous faites partie du même club. Le monde, aujourd'hui, il est beaucoup plus divers. Il n'est pas plus fragmenté, mais il est plus divers, il est plus riche. Et ça, c'est le résultat. On a toujours une architecture aujourd'hui qui a été établie après la Seconde Guerre mondiale. Il faut l'adapter. Mais moi, je suis assez confiant que cette crise, soi-disant crise du multilatéralisme, au fond, c'est un multilatéralisme qui est en transition, tout comme le monde est en transition. Nous sentons tous qu'il y a un ordre mondial qui vient à sa fin et qui va changer. Mais il y en aura un autre, mais il y a un fait qui est incontestable, la coopération entre États restera tout aussi importante dans un autre monde qu'elle est aujourd'hui dans ce monde actuel. Et peut-être le dernier mot, je pense ici à Genève, on a vraiment tout pour pousser ou pour adapter le système actuel aux défis futurs, parce que nous avons non seulement les acteurs, ce qui a été mentionné, il y a 37 organisations internationales ici, mais Laurence l'a dit très bien, il y a également une tradition ici de coopération entre les différents, et vous m'excusez pour l'anglicisme, des stakeholders. Donc non seulement il y a beaucoup de ces acteurs qui sont présents ici, il y a des universités de renom mondial, il y a un secteur privé qui est extrêmement important. Il y a 1600 multinationales ici. Il y a une place financière qui est parmi les plus importantes au monde. Il y a une société civile qui est extrêmement importante. Il y a non seulement tous ces éléments, mais ces éléments se parlent et coopèrent. Et ça, c'est unique à Genève. J'ai vécu à New York. Vous pouvez dire à New York, vous avez également les différentes communautés d'acteurs. C'est vrai, mais à New York, elles ne se parlent jamais. Donc ici, il y a vraiment un écosystème qui est vivant et je suis très, très confiant qu'il arrivera à affronter ce défi qui est le nôtre, c'est d'adapter le système, cette gouvernance mondiale aux défis futurs et de trouver également des réponses à l'autre très grand défi que nous connaissons aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la transformation digitale ou l'innovation disruptive, c'est-à-dire toutes les conséquences de cette avancée technologique sur nos vies. Et bien sûr, on devra trouver des manières de maîtriser non seulement les conséquences de ces développements, mais également d'essayer de les mettre au service de nos tâches dans le domaine de la santé, dans le domaine social, etc. Et encore une fois, je pense vraiment que c'est Genève, c'est à Genève que devront être menées ces discussions et je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour les mener, sauf, et là je vais fermer, sauf on n'a pas encore la bonne communication, on devra vraiment travailler sur la manière de dire ce que nous faisons. Merci beaucoup.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Je crois que monsieur Korn, vous souhaitez réagir. Bon, bah. J'aurais aimé signaler les traitements très différenciés que le système international peut faire entre différents États. Et je vais prendre l'exemple du Liban. À quelques mois d'intervalle, nous avons eu notre ancien président du Conseil, M. Rafik Hariri, qui est assassiné dans des conditions terribles, et ensuite Madame Bhutto, qui était première ministre du Pakistan, exactement le même type d'explosion. Le même. Bon. Pour Monsieur Hariri, a été créée une commission d'enquête, un tribunal à caractère international, ce qui ne s'est jamais vu. Il s'agit après tout d'un assassinat individuel et non pas d'un génocide. Et jusqu'à présent, le Liban continue de payer chaque année 50 millions de dollars au tribunal international. J'ai trouvé cela très bizarre. Donc, c'est à quelques mois d'intervalle que ça s'est passé. Donc, vous avez eu un système international qui a traité très différemment d'un premier ministre libanais et d'un premier ministre pakistanais. Et nous avons aujourd'hui... au Liban, plus d'un million de réfugiés syriens, avec une pression de la communauté internationale, et notamment du Haut Commissariat aux réfugiés, qui nous dit « vous devez les garder ». Alors que le gouvernement libanais veut ouvrir un dialogue avec le gouvernement syrien pour les faire rentrer, ce qui me paraît tout à fait normal. Et on voit en Europe, à part Madame Merkel, qu'il faut saluer ici, qui a reçu énormément de réfugiés syriens, on voit comment en Europe, on ne veut pas de réfugiés syriens, ou d'autres nationalités d'ailleurs. On voit comment ces réfugiés meurent en mer de façon absolument dramatique. Et ceci m'amène à peut-être un domaine que nous n'avons pas traité jusqu'ici, qui est le néolibéralisme déchaîné dans lequel nous vivons depuis une trentaine d'années. Oxfam a fait des rapports sur la concentration des richesses dans le monde, qui sont extrêmement importants et qui, à mon avis, devraient inquiéter le système des Nations Unies. Hein. Nous avons des pays qui sont, vous avez parlé de l'aide au développement, qui sont assistés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international depuis 30, 40, 50 ans, avec les mêmes recettes, et qui n'ont toujours pas décollé. Et là aussi, c'est un gaspillage de ressources qui est important. Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire ici d'introduire les ravages du néolibéralisme, qui n'est plus du capitalisme tel qu'on l'aime, tel qu'on le connaît, et de mettre un terme à cette augmentation des inégalités dans le monde. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas se contenter uniquement d'une analyse juridique. Il faut regarder cette montée des inégalités dans le monde. Elle est en train de créer partout des tensions tout à fait exceptionnelles. Je me souviens, si je veux prendre un document que j'aime beaucoup, le document des Nations Unies, c'est la charte de La Havane sur le commerce international, qui est une charte admirable. Si on la relit aujourd'hui, il y a tout. Et on s'est complètement écarté de cette charte de La Havane. Il faut revenir à l'esprit de la charte de La Havane. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé au Chili. Comment M. Allende a été assassiné par les Boys de Chicago. Malheureusement, c'est des faits qu'on ne peut pas éviter de mentionner, parce qu'on ne veut pas qu'ils se répètent. Aujourd'hui, on a déclenché une guerre mondiale sur la Syrie. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Pourquoi cette guerre mondiale ? Pourquoi tous ces groupes terroristes qui sont partis se battre comme s'il s'agissait d'une nouvelle guerre d'Espagne ? Excusez-moi, c'était un peu n'importe quoi.
Et évidemment, un pays comme le Liban, fragile, il souffre. Aujourd'hui, nous avons une petite dictature du Haut Commissariat aux réfugiés au Liban, hein, qui dit non, 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 vous les gardez. Alors que le gouvernement libanais, à juste titre, veut ouvrir un dialogue avec le gouvernement syrien pour les faire rentrer dans les zones pacifiées. Il y a 70%, 75% de la Syrie qui est pacifiée. Donc là aussi, je pense que le système international, hein, devrait parfois s'interroger un petit peu, parce que je trouve que ce que supporte le Liban depuis des années n'est pas juste, absolument pas juste. Alors, nous sommes toujours sous le coup de ce tribunal international, ça fait 12 ans qu'il existe, nous payons chaque année 50 millions de dollars, pour un pays qui est déjà surendetté. Avant ça, il y avait une commission d'enquête qui était dirigée par un magistrat allemand, Detlev Mélis, dont la réputation est un peu sujette à caution aussi. Donc, souvent, là aussi, moi je dirais, bon, que pour l'assassinat de Rafik Hariri, on a fait tout ça, mais alors pourquoi la pauvre Madame Buto, quelques mois après, personne ne s'en est occupé, personne n'a dit je vais faire un tribunal. Est-ce que le droit international, maintenant, peut-on faire un tribunal pour une personne qui est assassinée, une personne politique assassinée? Jusqu'à présent, comme Libanais, je me demande quels étaient les enjeux. Et nous sommes toujours sous ce système. Donc parfois, je sens un pays qui est mis en bride, qui est bridé par certaines institutions internationales ou par certains principes de droit international. Je pense qu'au contraire, les Nations Unies devraient nous aider et aider les réfugiés syriens à rentrer dans leur pays où vous avez 70% des zones qui sont redevenues des zones d'espace normal, pacifiées. Et donc, vraiment, là, le cas du Chili aussi, bon, continue de m'interroger comment une affaire comme le Chili a pu passer comme ça, comment on a pu assassiner Allende de cette façon. Alors là, on est très loin de toute gouvernance. Hein, c'est un monde international qui est une jungle dans laquelle les États-Unis d'Amérique, aussi la Russie, et on peut choisir d'autres puissances. Mais enfin, je pense qu'il faut remettre un peu de raison dans les indignations. Ce sont encore une fois les indignations sélectives que je n'aime pas du tout, parce qu'elles sont politiquement inspirées. Et c'est le système des Nations Unies qui, à ce moment-là, se laisse influencer par telle ou telle grande puissance dans son comportement, tout en saluant le courage des secrétaires généraux des Nations Unies qui sont tous passés par là, hein, dont M. Dag Hammarskjöld, qui était évidemment un très grand esprit. Mais si, madame, vous avez employé le terme de désenchantement mondial. Oui, il y a désenchantement mondial parce que je pense qu'il faut rétablir la consistance du droit international. Il faut que le droit international redevienne le même pour tous. Une loi ne peut pas être à application variable. Si on veut un système international apaisé qui fonctionne tel que les initiateurs des accords à l'issue de la Seconde Guerre mondiale l'ont fait, il faut désamorcer toutes les inégalités qui se trouvent dans le système et qui font que le système peut être détourné de ses très nobles idéaux par des grandes puissances ou pour des intérêts qui ne sont d'ailleurs pas toujours clairs. Et pour ce qui concerne le néolibéralisme, je pense qu'il faut revenir à la charte de La Havane, qui est un très grand document et qui lie commerce et développement mais de façon intelligente, tel qu'on ne l'a plus aujourd'hui avec le néolibéralisme. Si ce néolibéralisme continue de souffler sur le monde, moi je crains que nous allions vers de plus en plus de troubles, style gilets jaunes dans les rues de Paris ou d'autres manifestations.
Et là, bon, c'est très bien de s'occuper du climat. Il faut faire plus aussi, mais je pense qu'il faut réformer l'aide au développement et qu'il faut absolument apaiser un néolibéralisme déchaîné qui ne trouve aucune entrave aujourd'hui et s'appuyer sur des organisations aussi remarquables qu'OXFAM, n'est-ce pas ? Et il y en a d'autres aussi. Vous avez le comité catholique contre la faim. Enfin, on a beaucoup de très grandes ONG avec des idéaux très nobles. Je pense que ça serait mieux que de mettre le focus toujours sur ce club très chic qui se tient en Suisse chaque année. Davos. Sur le forum de Davos. Le forum de Davos, c'est le forum de tous les désenchantements. C'est pas du tout la montagne enchantée de Thomas Mann. Donc, je pense qu'il faut... Je sais que ça peut coûter cher hein, de prendre des positions qui prennent en compte le social, qui prennent en compte le fait qu'il est nécessaire d'arrêter ces inégalités qui ne cessent d'exploser. Mais à mon avis, c'est tout à fait complémentaire avec tout ce qu'on fait sur le climat, où on a des résultats. Il faut faire plus. Et je pense qu'il faut amener les grands organismes internationaux, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire, à reconnaître que ces mêmes recettes qu'ils appliquent depuis des décennies et des décennies, elles ont laissé sur la route beaucoup de pays hein, qui ne s'en sortent pas, qui n'émergent pas, qui sont toujours aussi pauvres. De mes connaissances en développement, vous savez, si un pays au bout de 25-30 ans ne s'est pas développé, c'est qu'il y a quelque chose avec la formule que lui a peut-être imposé le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Donc là aussi, il faudrait avoir le courage un petit peu de revoir. Dans le temps, la Banque mondiale s'occupait de financer des infrastructures. C'était très, très bien. De même qu'elle a financé la reconstruction de l'Europe. Aujourd'hui, elle fait de l'ajustement structurel avec le Fonds monétaire. Et très souvent, elle contribue à appauvrir les pays d'une façon qui n'est pas recommandable pour la stabilité du monde. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter ici. Mais moi, je cherche une réponse sur la différence de traitement entre l'assassinat de M. Hariri et l'assassinat de Mme Bhutto, qui est passé complètement inaperçu, dont personne ne s'est occupé. Je demande au système international une réponse. Merci. Merci, Monsieur Cormier. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous donner la parole et j'aimerais vous demander, est-ce que vous qui êtes au cœur de cette Genève internationale, qui est en poste à Genève, qui l'avait été à New York, est-ce que vous les sentez, ces tensions, ces deux poids, deux mesures, ces indignations sélectives et comment est-ce que, en tant qu'ambassadeur du pays hôte, je dirais, on peut essayer d'y faire face. Est-ce qu'il y a un moyen, effectivement, aujourd'hui, de faire en sorte que le droit international soit respecté et qu'il y ait vraiment plus de justice par rapport à ces indignations sélectives ? Merci beaucoup. Si vous me permettez, j'aimerais bien revenir à deux points que le professeur Korn a soulevés. Tout d'abord, la communauté de réfugiés au Liban. C'est effectivement... une question qui est extrêmement difficile. Il n'y a aucun doute que la communauté internationale et mon collègue, l'ambassadeur du Liban, me corrigera si je dis quelque chose de faux, est extrêmement reconnaissant au peuple libanais pour les sacrifices qu'il entreprend. Si je ne me trompe pas, il s'agit de 5 millions de Libanais qui ont hébergé 1 million de réfugiés. C'est un geste incroyable et il est reconnu par la communauté internationale. La communauté internationale, vous avez fait allusion au HCR, qui a le LEAD, c'est une agence, celle sur les réfugiés, bien sûr, qui est responsable. L'argument qu'elle avance, c'est qu'on ne peut pas forcer des gens de retourner, les réfugiés, de retourner dans des conditions qui ne soient pas sûres, qui ne soient pas dignes et qui ne leur permettent pas de continuer leur vie
en Syrie. C'est ça la différence. Il n'y a personne qui force, et si vous me permettez là d'une certaine franchise, il n'y a personne qui force le gouvernement libanais à garder les réfugiés. C'est le sort individuel, c'est le bien-être individuel de ces réfugiés qui est au centre de ces réflexions. Mais il n'en reste pas moins que le Liban fait, et ça s'est reconnu, fait un grand sacrifice. Et là, je voulais vous donner entièrement raison. Ça, il faudra trouver une solution. Mais à mon avis, la solution ne se trouvera pas au Liban. Elle se trouvera dans un pays voisin. Et là, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est les instances internationales qui ont échoué. Mais là, je viens au point principal. Et vraiment, je crois qu'on est maintenant au cœur de ce débat sur la gouvernance. Et on l'a dit avant que ce n'est pas très clair ce que veut dire la gouvernance. Les organisations internationales, la coopération internationale est toujours aussi bonne que le veulent les gouvernements. Ça dépend entièrement, exclusivement même, de la volonté des gouvernements. Si les gouvernements, les puissants et les autres ne veulent pas qu'un problème soit résolu, il ne sera pas résolu. Donc les organisations internationales ne peuvent pas vraiment changer. On a une gouvernance sur ces aspects-là, c'est les aspects qui touchent aux intérêts nationaux, qui est volontairement pas aussi forte qu'elle devrait être. Et là, je vous donne entièrement raison, il y a du travail à faire. Et là, je parle au nom d'un pays comme la Suisse, qui a tout intérêt à ce que le système se renforce. Mais j'aimerais bien revenir sur votre exemple entre M. Hariri et Mme Bhutto. À mon avis, il y avait quand même une différence assez nette qui explique la différence d'approche. Dans le cas de du Premier ministre Hariri, il y avait de forts soupçons de l'implication d'autres pays, d'autres puissances. Tandis que dans le cas de Mme Bhutto, il n'y avait aucune indication. C'était une affaire qui était purement interne pakistanaise. Donc il n'y avait aucune raison. On n'a jamais... Des affirmations qu'on pourrait contester une par une. Mais bien sûr, on peut les contester, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de preuve du contraire. C'est un tribunal international qui fabrique des preuves avec des faux témoins, en plus. Bon, alors là, mais disons, au début, en tout cas, c'était la raison de l'implication de la communauté internationale était le fait qu'il y avait des soupçons. Donc, il y a quand même des explications. Mais pour revenir à la question principale qui est celle de la gouvernance, donc c'est là où nous devons nous efforcer et je pense que chacun parmi nous est appelé à encourager nos gouvernements à renforcer la gouvernance parce que c'est toujours les gouvernements qui feront la force des organisations internationales. Donc, je pense, vous avez dit, monsieur le professeur, vous avez dit que la gouvernance internationale doit être responsable vis-à-vis des administrés, non seulement quand il y a des méfaits, mais également pour les résultats. Les résultats qu'on produit, je pense, on est responsable vis-à-vis de chacun de vous qui doit pouvoir en bénéficier. Donc, c'est aussi chacun de... Oui, je suis d'accord, j'arrive pas... Désolé. Est-ce que ça va comme ça? Je vais faire comme ça, si vous me permettez ma position. Donc, c'est aussi à chacun d'entre nous, chacun et chacune, de demander à nos gouvernements de faire en sorte que la gouvernance internationale marche pour nous-mêmes. Elle n'est pas là pour les gouvernements, elle est pour nous ou pour vous. Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée par nous tous. Merci. Madame Boisson-Chazourne. Comme vous le voyez, avec tous ces termes, on peut mettre tout ce que l'on veut dans ces termes. Alors, vous avez vu que dans le titre, c'était gouvernance. Oui, on a parlé de gouvernance, on a parlé d'utopie. On parlait de gouvernance mondiale. Hein, et je pense aussi que c'est pour ça qu'en fait, on a parlé des organisations internationales. Et moi, j'ai mis l'accent sur le XXe siècle. C'est au XXe siècle qu'on a construit cette architecture universelle. Avant, il n'y avait pas d'architecture universelle. Et je pense qu'on doit aussi réfléchir à cela et au bien fondé de cette architecture universelle
Moi, je dis très souvent que les Nations Unies, c'est un peu l'alma mater hein, de la communauté internationale. Elle permet à toutes les composantes de se réunir. Alors après, que l'action des Nations Unies soit toujours cohérente, elle est soumise au dictat politique, au double standard du Conseil de sécurité, ça c'est sûr, etc. Il y a beaucoup de choses perfectibles. Hein, et moi, je suis partisante de perfectionner le système. Je crois qu'on ne doit pas affubler les organisations internationales de tous les maux, parce que c'est finalement c'est des instruments qui font certaines actions. À côté de cela, dans le domaine de la finance, je pense véritablement qu'il y a un manque de gouvernance. Il n'y a pas véritablement d'organisation internationale à l'heure actuelle qui contrôle tout cela. Et c'est peut-être là où on se dit, ça ne marche pas très bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le renforcer? C'est ça, en fait, tous les paradoxes de la gouvernance internationale. Et c'est là un point crucial parce que je pense que même si on se rend compte qu'il y a des manques, il y a des forces à l'encontre de cela à l'heure actuelle. Et c'est sur ça que en fait, je réfléchissais, c'est que dans le domaine du commerce international, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes et l'OMC est en train de payer les prix de ces problèmes. Est-ce que pour autant il faut bloquer cette organisation ou la rendre insignifiante? C'est une question légitime qu'on doit se poser parce qu'à l'heure actuelle, elle est concurrencée très fortement par des approches bilatérales ou unilatérales. Est-ce que c'est ça qui doit se profiler? Je ne suis pas persuadée que les pays les moins puissants en termes économiques gagneraient à cet affaiblissement du multilatéralisme. En fait, je ne le crois pas. Dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale aussi, c'est que finalement, est-ce que les Nations Unies, elles ont réussi, je crois, à calmer les conflits de faible ou de moindre intensité? Les grands conflits, ils n'ont jamais été véritablement gérés par les Nations Unies directement, c'est par les États. Et donc, toute cette question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on devrait renforcer? Ou alors, est-ce qu'on doit déconstruire? Mais je pense que le risque, c'est qu'on soit pris dans la tourmente de tout refuser et de tout détruire. Et c'est ce qu'a dit l'ambassadeur Zellweger, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, c'est à mon avis la question, et je ne pense pas que ce soit que les États qui soient responsables. Je pense que maintenant, il y a une responsabilisation nécessaire de beaucoup d'autres acteurs. Et en ce sens, il y a des prémices de cette forme de nouvelle responsabilisation. Un mot pour la question du traitement différencié pour la justice pénale. On en est, c'est 20 ans de justice pénale internationale. Il y a très peu qui a été fait jusqu'à maintenant. Vous pouvez regretter la création de ce tribunal. Moi, je trouve toujours que c'est un paradoxe d'avoir ce tribunal à côté de la crise humanitaire et tragédie qui s'est passée en Syrie, même en Irak, véritablement. Je suis très déconcertée comme citoyen du monde de ne pas avoir encore de modèle de réparation. Mais voilà, ça c'est après des choix politiques qu'on peut critiquer. Mais c'est pas ça les Nations Unies. À mon avis, les Nations Unies, c'est beaucoup plus. À l'heure actuelle, il y a un défi pour la Cour pénale internationale. C'est sûr qu'elle peut être défiée parce que 3 inculpations poursuites pour 15 ans de travail avec des sommes gigantesques dépensées. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'on n'a pas besoin de justice pénale internationale? C'est une question. Et c'est ça, en fait, que ça... Donc, on est toujours en train de poursuivre des rêves, des utopies. On a réalisé certaines choses. Je pense qu'on ne doit pas tout jeter, mais on doit sans doute construire mieux. C'est ça, le défi. Alors, si vous êtes d'accord, madame et messieurs, je vous propose que nous passions la parole à la salle, au public, si des personnes souhaitent poser une question. Je vous prie de bien vouloir vous approcher d'un micro et puis peut-être de vous présenter. Si vous êtes d'accord, il est 1h20, on peut prendre des questions pendant 15-20 minutes et ensuite nous partagerons ensemble un buffet, nous pourrons continuer la discussion autour d'un buffet. Voilà, la parole est à vous, mesdames et messieurs. Je vois une main qui se lève. Oui, monsieur, je vous en prie. Vous, monsieur. Voilà. Oui, vous m'entendez. Alors, donc mon nom est Johannes Vandenburg. J'aurais une question assez simple. Je risque de mettre un peu les pieds dans le plat. Dans aucune des 3 interventions, je crois n'avoir entendu le terme de démocratie. Et en fait, évidemment, la gouvernance renvoie quand même à un ordre politique, à une gestion de la Respublica. Je pense qu'à l'heure actuelle,
Donc avec ce qui se passe en Algérie, ou ce qui se passe au Soudan, ou ce qui s'est passé dans le monde arabe en général, ou ce qu'on voit avec les gilets jaunes en France, il y a un vrai, disons, une nouvelle participation d'en bas qu'on constate. Je veux solliciter l'ambassadeur de la Suisse, en tant que citoyen suisse, de ne pas ramener toute la question à une question de communication. Parce que je pense qu'il y a un vrai défi, que la Suisse a une longue tradition de démocratie directe. Et donc, il y a un vrai défi, comment est-ce qu'on réinvente, à mon avis, les institutions internationales d'une façon beaucoup plus démocratique. Je suis parfaitement d'accord qu'il faudra trouver des moyens d'impliquer beaucoup plus les populations dans le travail des organisations internationales. Je pense surtout au niveau mondial. On est loin de ce qu'on devrait faire. Au niveau régional, c'est déjà beaucoup mieux. Vous savez qu'il y a un nombre d'organisations régionales qui connaissent des modèles démocratiques qui sont beaucoup plus poussés qu'au niveau mondial. Mais pour ce qui est également, vous avez fait allusion aux gilets jaunes, etc. Et là, j'aimerais bien reprendre un point que le professeur Korm a mentionné en parlant du document de Havane. Vous allez voir que, ou vous savez que, au sein des Nations Unies et des organisations internationales, il y a énormément d'instruments qui pourraient proposer des solutions aux défis actuels. Il est beaucoup question aujourd'hui de nouveau, et c'est un peu en réponse au néolibéralisme que vous avez mentionné, il est de nouveau beaucoup plus question de la justice sociale. Alors, on a des instruments pour assurer la justice sociale. Il y a l'Organisation internationale du travail, mais il y a également, par exemple, les droits sociaux et économiques, qui, et là, il faut le dire ouvertement, qui, surtout en Europe, n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû. L'Europe avait toujours une compréhension des droits humains qui était plutôt une compréhension ou une conception qui était l'individu contre l'État, mais qui a peut-être négligé les aspects de justice sociale, le droit à la formation, le droit au travail, le droit à un appartement, une habitation, etc. Donc, encore une fois, je pense que au sein des organisations internationales, le document que vous avez mentionné, mais aussi d'autres instruments, il y a beaucoup d'instruments, mais si ces instruments ne sont pas vivants, s'ils n'ont pas l'importance qu'ils revêtent, qu'ils devraient avoir, c'est de nouveau parce qu'il y a un manque de volonté de la part. Et là, je pense que c'est en premier lieu les gouvernements qui continuent d'être les membres premiers des organisations internationales, mais bien sûr, la société civile joue un rôle extrêmement important pour encourager les gouvernements d'utiliser les instruments qui sont déjà là pour corriger ces développements qui vont dans une mauvaise direction. Et encore une fois, et là je reviens à votre point sur la démocratie, je pense, en fin de compte, c'est une responsabilité de chacun et chacune qui nous constituons cette... si vous me comptez, vous m'avez posé la question comme citoyen suisse, donc je compte également, je fais partie de cette société civile, on a également une responsabilité de nous engager et de pousser les choses dans la bonne direction. Merci. Daniel, Margareta, et ensuite une question là-bas. Daniel. Vous m'entendez ? Voilà. J'aimerais justement poser une question sur la manière d'associer la population et les citoyens. Donc vous avez dit que c'était une faiblesse. Et là, moi, je pose la question, il y a aussi les médias qui devraient être associés, ou en tout cas les journalistes, et peut-être même aussi des artistes ou d'autres gens qui savent toucher le public, qui savent formuler et reformuler les messages pour que réellement ça ait un impact. Par exemple, moi, je dirais, juste pour donner un exemple, au lieu de parler d'objectifs de développement durable, c'est totalement pas mobilisateur. On peut parler du plan survie de l'humanité, ces 17 objectifs, c'est à ça qu'ils répondent. Et puis là, ce qui est curieux, c'est qu'il manque absolument dans ces 17 objectifs quelque chose sur les médias, sur la communication, sur l'information, alors que c'est un élément fondamental de la démocratie, on l'a vu. Et donc, comment est-ce que vous pourriez imaginer que pour vraiment faire approprier la gouvernance par les citoyens, la gouvernance mondiale par les citoyens, suisses d'abord,
Est-ce que vous pourriez travailler précisément avec des journalistes, avec des artistes et d'autres gens qui sont capables de faire ces messages? Merci beaucoup. Je pense que vous avez parfaitement raison. C'est ce qu'on essaie de faire déjà aujourd'hui. Je pense qu'on doit encore s'améliorer, mais je suis d'accord sur tous les points que vous avez mentionnés, surtout que les objectifs du développement durable, c'est un terme qui est tellement bureaucrate qu'il n'enthousiasme personne. Je pense également qu'il faut vraiment travailler sur comment est-ce que nous pouvons amener ce travail, dont je crois qu'il est très important, beaucoup plus proche des populations. Et ça rejoint votre point, c'est non seulement la communication, et là je suis d'accord avec vous, c'est également l'implication. C'est une responsabilité partagée. Et là, on n'est pas encore là où nous voulons être. Juste, si vous me permettez, j'ai mentionné qu'au niveau régional, il y a différents modèles d'implication de Parlement. Vous prenez le modèle du Conseil de l'Europe, où le Parlement a plutôt, où l'Assemblée des parlementaires a plutôt une fonction délibérative. À l'Union européenne, par contre, il s'agit effectivement d'un Parlement qui prend des décisions. Mais vous voyez là, il y a tout un développement, et je pense, et là je rejoins entièrement le professeur Boisson de Chazone, c'est un développement et nous devons poursuivre. Il n'y a, en tout cas pour moi, il n'y a pas d'alternative. Parce que tous ceux qui critiquent ce système nous doivent indiquer une alternative. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et tant qu'il n'y a pas une alternative, en tout cas il n'y en a pas pour moi, je suis entièrement d'accord qu'il faut pousser dans cette direction et ajouter ces éléments que vous avez mentionnés. Merci. Alors, Margaretha, ensuite, on est à gauche là, si vous le permettez, après je passe à droite. Et je donnerai la parole aussi à monsieur l'ambassadeur qui l'a demandé, Margaretha. Et après, je reviens à gauche, évidemment. Bonjour, Margaretha Stroth, journaliste. Tout d'abord, merci pour vos interventions qui étaient vraiment très intéressantes, même si je ne sais pas encore ce que c'est la gouvernance mondiale. Je n'ai pas tout compris. Mais je veux réécouter parce que c'est sur le site, donc je veux quand même comprendre à la fin. J'ai un autre terme et j'aimerais beaucoup que vous donniez votre avis sur quelque chose qui est aussi très incompréhensible pour moi, c'est la communauté internationale. Qui est-ce la communauté internationale? Qu'est-ce que c'est? C'est à peu près pour moi comme la gouvernance mondiale. Merci. Madame, messieurs. Qui est-ce la communauté internationale? Je pense que c'est une notion. Micro. Ça marche, hein? C'est une notion qui est comme la gouvernance, en fait. Elle peut avoir différentes significations. Vous avez maintenant nombre d'instruments de droit international qui se réfèrent à la communauté internationale. En général, hein, je pense que c'est la communauté interétatique. Donc c'est ça, mais vous pouvez avoir une autre conception de la notion de communauté internationale, et ça serait les États et puis les autres composantes de la société civile, mais ça c'est aussi une appréciation politique, hein. Maintenant, est-ce que la communauté internationale, c'est un concept fourre-tout qui permet de dire beaucoup de choses? Sans doute, et voilà, ça, c'est le lot de tous ces termes qui sont utilisés pour permettre de fluidifier le débat. Monsieur Corme, je crois que vous voulez intervenir et ensuite monsieur l'ambassadeur. Oui, non, c'est-à-dire que pour moi c'est très clair, le terme communauté internationale, c'est à peu près l'équivalent de l'OTAN. C'est le terme poli pour désigner les membres de l'OTAN. Je voudrais aussi. Elle va disparaître le temps, donc il n'y aura plus de communauté internationale. Enfin, pour le moment, elle est là. Hein. Et elle est bien active. Oui, c'est un terme, moi, qui m'a toujours beaucoup gêné, la communauté internationale, vous avez raison. Qui peut se prétendre être la communauté internationale, hein. Ou qui peut se prétendre être le représentant de musulmans ou de chrétiens ou de bouddhistes ou de... Alors c'est toute la question de comment vous avez certaines forces de fait qui s'érigent en représentant de très vastes couches de la population mondiale
sans qu'on nous ait demandé notre avis, nous, les simples citoyens du monde. Et les vœux de la communauté internationale, en réalité, c'est les vœux des États-Unis et de l'Union européenne. Moi, je voudrais rappeler aussi que le dernier article de la Constitution européenne dit que la politique étrangère de l'Union européenne et de ses États membres est conditionnée par leur adhésion à l'OTAN. C'est le dernier article, je ne me rappelle plus lequel, 200 et quelques. Et donc, oui, et les vœux de la communauté internationale, c'est les vœux des États-Unis d'Amérique, ça me paraît très très clair. Hein. Alors aujourd'hui, on a un paysage qui change avec la montée de la Chine, avec le retour de la Russie, avec les BRICS, avec la route de la soie. Je crois que tout ce paysage international est en train de bouger. Alors, comment cela va se faire? Ce sont les nouvelles générations qui vont gérer tous ces changements qui sont là. Moi, je continue de dire ce qui s'est passé en Syrie, c'était une guerre mondiale. Ce n'était pas du tout un conflit en rapport quelconque avec le gouvernement syrien légal. C'était un conflit mondial qui s'est polarisé sur la Syrie pour changer la situation complète du Moyen-Orient. Et nous voyons comment aujourd'hui le Moyen-Orient est en plein état d'effondrement. C'est extrêmement clair. Et il est question de faire une OTAN arabe. C'est ce que demande aujourd'hui l'OTAN de Bruxelles, demande aux États arabes de faire une OTAN arabe. Probablement pour appuyer aussi les desseins de M. Trump, qui a la solution définitive pour la Palestine, dit-il. On attend, tout le monde retient son souffle, tout le monde attend. Qu'est-ce que les grands de ce monde, à quelle sauce va-t-on être mangé une énième fois, hein? Nous attendons. Ce seront les jeunes générations qui verront ça, moi, je ne serai plus là. C'est peut-être mieux comme ça. Monsieur l'ambassadeur, non, vous passez votre tour. Alors, si vous permettez, je passe la parole à un autre ambassadeur qui souhaitait intervenir. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir d'être là et un honneur. Je salue évidemment les intervenants, un débat très intéressant, ainsi que les questions de la salle. Et permettez-moi, à titre national aussi, de saluer chaleureusement monsieur Korm, qui n'est pas qu'un ministre, un intellectuel, etc. Il est de la race de ces hommes qui, malheureusement, est une espèce en voie de disparition, les grands humanistes. Les grands humanistes, par sa pensée, par son action, par son idéalisme. Donc, nous sommes honorés et très contents de l'avoir sur ce panel. Je prends la parole juste parce que le Liban a été mentionné plusieurs fois durant ce débat. Je ne m'exprimerai pas sur le tribunal, mon devoir de réserve m'en empêche, mais je m'exprimerai sur la question des réfugiés. Et je pense que c'est d'intérêt pour tous les amis ici rassemblés, parce que c'est un problème extrêmement complexe. Il est vrai que le Liban accueille maintenant 1,5 million de réfugiés syriens, grosso modo. Il faut y ajouter les réfugiés palestiniens aussi, qui sont là depuis 1948 et 1967. Donc nous sommes autour, le Liban doit abriter actuellement autour de 2 millions de réfugiés pour une population entre 4 et 5 millions de Libanais. Bon, c'est des chiffres horrifiques. Hein. Aucun pays au monde n'aurait accepté ou n'aurait supporté d'avoir sur son territoire une population de réfugiés aussi énorme par rapport à la population. Et pour vous donner un exemple, dans les maternités libanaises actuellement, presque la moitié des nouvelles naissances sont des réfugiés ou des enfants de réfugiés syriens. Je demande à tout le monde d'essayer d'imaginer dans quel pays au monde on supporterait d'avoir dans les maternités des étrangers qui naissent plus que ou le même nombre que les autochtones. Bon, cette question des réfugiés est extrêmement complexe parce qu'elle a été politisée, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse mettre toute la responsabilité sur le dos du UNHCR. Le UNHCR
est essentiellement une organisation technique. Son mandat est de gérer les grandes crises de réfugiés. Mais le UNHCR dépend des donateurs essentiellement, donc des grands pays qui financent. Et il dépend aussi de la volonté politique des principaux acteurs des relations internationales. Parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable gouvernance du problème des réfugiés sur la scène internationale. Et donc, ce qui se passe actuellement, et là où je rejoins M. Korm, c'est qu'il est clair que le Liban ne peut plus supporter. Ce n'est pas uniquement une question de nombre, c'est aussi une question de possibilités économiques, de situation sociale, politique, sécuritaire, à tous les niveaux. Et la réponse qu'on nous dit, c'est que la situation n'est pas mûre en Syrie pour le retour. Parce que c'est vrai, il ne suffit pas d'avoir que certaines zones de la Syrie soient maintenant pacifiées. Il y a le droit international des réfugiés stipule quelques conditions pour permettre aux réfugiés de rentrer. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être menacés dans leur vie, ils ne doivent pas être emprisonnés, ils doivent pouvoir retrouver leur ville d'origine, etc. Mais le problème, c'est que la communauté internationale conditionne cela avec une solution politique définitive en Syrie. Et donc, elle ne fait rien pour essayer de... Elle se contente de... Puisque les réfugiés sont au Liban, et donc en sécurité au Liban, on les laisse au Liban. Et donc la communauté internationale, à part aider financièrement, il y a une certaine aide financière, et nous sommes redevables, et nous remercions évidemment, mais qui est insuffisante. Mais le problème, c'est qu'elle considère, parce que pour les équilibres régionaux et pour les différentes... dimension politique du conflit, elle considère qu'il faut une solution politique définitive en Syrie pour que les réfugiés puissent rentrer. Ce n'est pas notre avis. Ce n'est pas notre avis en tant que gouvernement libanais. Mais en même temps, nous sommes obligés de tenir compte du fait que, puisqu'il conditionne, la communauté internationale conditionne le retour à la solution définitive, la communauté internationale n'est pas en train d'aider la Syrie à se reconstruire. Parce qu'une des raisons qui fait que les réfugiés préfèrent rester au Liban, souvent, c'est qu'ils n'ont pas de perspective et que leurs villages sont détruits, les écoles sont détruites, etc., etc. Donc si la communauté internationale voulait vraiment aider le Liban, elle commencerait à voir où elle pourrait aider en Syrie pour exercer un effet dément sur les réfugiés, pour les ramener, pour que eux-mêmes ils puissent rentrer chez eux dans des conditions dignes, évidemment, parce que le Liban refuse que de chasser ou de refouler nos frères syriens. Donc c'est ça, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est parce que c'est un problème extrêmement complexe et en général les médias, avec leur façon binaire de voir les choses, ne sont pas en train de refléter ou de répercuter correctement chez le public. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, je vois trois mains qui se lèvent ici et encore deux de l'autre côté. Si vous le voulez bien, on va faire vraiment vous poser des questions très, très brèves. Nous aurons des réponses très brèves et après, nous pourrons nous rejoindre tous ensemble au buffet. Hélène. Merci beaucoup. En tant que francophone, j'ai été frappée par le nombre d'utilisations du « on ». Vous avez tous, autant que les autres, dit « on devrait »,« on pourrait », tout au long de vos présentations. Je voudrais savoir qui sont ces « on » et par quels canaux ces « on » doivent passer pour être utiles à la communauté internationale. La deuxième question, c'est que j'aimerais demander à Laurence comment elle implique la génération future dans son enseignement entre ce qu'elle enseignait au XXe siècle et comment elle enseigne maintenant. Merci beaucoup. On va voir qui est on. Non, mais je vais te donner une réponse. C'est une belle question. Je le dis d'entrée, moi, quand j'enseigne
à l'université, maintenant, j'ai le cours de droit des organisations internationales. Je dis aux étudiants, je parle de nous, et je parle toujours de nous. Parce qu'en fait, je pense que c'est nous, les peuples des Nations Unies. Hein. Et alors, quelle que soit notre position, etc., mais c'est nous-mêmes hein, qui forgeons ce système avec les représentations démocratiques ou non qui sont les nôtres pour nous exprimer. L'enseignement au XXIe siècle, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de parler de ces sujets. Parce que je pense qu'il y a un désintérêt qui se manifeste de plus en plus. Je pense que c'est aussi se lâcher prise par rapport à des événements. Et c'est un véritable défi pour nous tous, surtout quand l'on pense que ce que l'on a bâti au XXe siècle mériterait de perdurer encore un peu. Merci. Alors, monsieur, ensuite madame, et on revient ici pour les dernières questions. Alors, ma question s'adresse à professeur Korm. Sur la communauté internationale, et je me demande, est-ce que vous affirmez toujours que la communauté internationale est l'instrument des États-Unis à l'ère de Trump? Et quand on voit que des John Bolton dénigrant la Cour pénale internationale ou les positions que les États-Unis de Trump prennent par rapport à la Syrie, la question du Golan ou... la question de Jérusalem qui outrepasse tout droit international en la matière. Est-ce qu'on peut toujours maintenir la position que vous tenez? Et où, ce que je me demande, c'est que ne faut-il peut-être pas défendre la communauté internationale à l'ère de Trump? Merci. Oui, on peut le voir comme ça. Hein. Je vous accorde, on a affaire à un personnage tellement atypique avec M. Trump. Mais là aussi, hein, on peut se demander pourquoi a-t-il été élu? Il a aussi été élu démocratiquement, hélas. Hein, mais je dirais aussi que les gouvernements qui ont assassiné Salvador Allende au Chili ou qui ont créé les escadrons de la mort étaient des gouvernements démocratiquement élus. Là aussi, on est certes très démocrate, mais la démocratie, elle peut déraper parfois et donner des résultats qui ne sont pas conformes aux aspirations. Tout ce qui s'est passé, moi je reviens aussi, tout ce qui s'est passé au Chili, moi je reste très marqué par ce que les États-Unis ont fait au Chili. J'ai trouvé ça absolument... Ça ressort d'une cour pénale internationale, ce qui a été fait au Chili. C'est clair, mais bon, vous savez, autour de la puissance, beaucoup de gens s'effacent. Ce n'est pas drôle d'affronter une puissance... qu'elle soit occulte ou qu'elle soit aussi visible que M. Trump, ou ça n'est pas évident. Et puis M. Trump, il a plongé dans une certaine Amérique de la suprématie blanche. Ça paraît clair. Ce qu'on a vu en Nouvelle-Zélande récemment était affolant aussi. On a quand même un monde qui se porte très mal. Et là, bon, on parlait de communication. Je pense aussi que... Le métier de la communication devrait peut-être s'interroger aussi sur la façon dont il travaille, parce que manifestement, on a un peu partout de la caricature, on a un peu partout des idées simplistes. N'oubliez pas qu'on vit tout le temps, on continue de vivre sous ce livre assez effrayant de Samuel Huntington. Personnellement, si ça avait été mon élève, je ne lui aurais sûrement pas donné un doctorat sur cette série d'insanité, hein, mais qui est devenue un best-seller international. Alors là aussi, il faut qu'on s'interroge un peu en matière de communication. Pourquoi ce livre, qui est médiocre, qui contient énormément de contradictions, pourquoi est-il devenu un best-seller international? Comment il est devenu un best-seller international? Il y a eu ensuite un autre agent de la CIA qui a écrit un livre, Graham Fuller,
C'était à propos de la Russie, en disant, mais vous savez, la Russie est plus dangereuse que l'islam, c'est les Grecs orthodoxes, et ce sont nos ennemis ancestraux. Bon, il y a des gens qui sont spécialisés à créer de la haine, et ce que je déplore très souvent, c'est qu'on leur donne des credentials académiques. Et dans le monde académique, on voit tout le temps combien ces ouvrages-là peuvent faire référence. Et c'est assez effrayant. Donc là, je crois qu'il faut se battre quand on a des ouvrages de ce type. Il faut être prêt, non pas les interdire, bien sûr, mais il faut être prêt à dire non, écoutez, ce n'est pas sérieux. Alors beaucoup de bons auteurs l'ont fait à propos de Huntington, mais à mon avis, pas assez, parce qu'il continue de hanter aujourd'hui la pensée de l'autre. Hein, et d'avoir créé une altérité. Bon, nous avons un autre, mais je ne vais pas rentrer dedans, je le mentionne, on a une autre idéologie islamique qui a toujours été considérée comme hérétique, qui est le wahhabisme, qui est cette forme extrême d'islam, dont aujourd'hui vous avez des propagandistes un peu partout qui considèrent que l'islam c'est le wahhabisme. Or non, l'islam n'est pas le wahhabisme, là aussi c'est quelque chose contre lequel il faut se battre, mais pas grand monde le fait, hein, malheureusement, d'autant que, comme ça sent le pétrole, il y a énormément de propagandistes qui sont là pour affirmer non, que tout est très bien et que tout va très bien en Arabie Saoudite. Alors, si vous êtes d'accord, puisque l'heure tourne, on va grouper les trois dernières questions, parce que Guy Mettant nous a rejoint. Merci. Et puis, on va ensuite passer au buffet. Alors, on va grouper les questions. Madame, et il y a deux questions là-bas de monsieur. Dites-moi, madame. Bonjour. Alors, moi, je suis Laure Nouga de Village 6 ONG. Je vous remercie pour ce débat. La gouvernance mondiale n'est-elle qu'une utopie ? J'ai trouvé intéressant et j'ai une question pour monsieur Valentin Zellweger, parce que voici la question. Comment le citoyen peut-il appeler son gouvernement à mieux agir au niveau de la gouvernance ? Et ensuite, on va grouper les deux autres questions. Monsieur et ici aussi. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je remercie les trois intervenants. Ma première question courte pour monsieur Korm. Quelle est la nouvelle définition à donner pour l'ordre mondial ? Alors, pour la professeure Laurence Boisson-Chazon, parce qu'elle est spécialiste en... droit international. Voilà. Pour quelle raison il y a l'échec flagrant maintenant de l'Union européenne vis-à-vis face aux décisions de l'administration américaine quand il s'agit de sanctions et menaces ? Pourquoi cet échec a contrebalancé ce type de décision ? Et pour son excellence l'ambassadeur, vous avez parlé de réalisme. Tout à l'heure vis-à-vis, c'est-à-dire contre l'utopie. Moi, je trouve que ce réalisme-là ne marche que quand il s'agit de grandes sociétés privées ou bien de télécommunications, mais pas, malheureusement, les affaires humanitaires et droits de l'homme. Merci. Et la troisième et dernière question, là-bas, monsieur, au fond. Bonjour. Alors, je vous remercie tous pour vos interventions. Alors, j'ai juste une question ou bien une remarque. Je ne sais pas comment vous allez la considérer ou l'appréhender. Alors, on parle actuellement de la crise du système international ou bien de la crise du multilatéralisme de manière générale, tout comme il s'agit d'une crise qui est conjoncturelle, tout comme s'il s'agit d'une sorte de surprise. On se réveille d'un bon matin et on se dit, le multilatéralisme connaît... apparemment une crise, alors que si on revient dans les années, par exemple, 70, on remarque que des pays du Sud, par exemple, je pense à l'Algérie de Boumédienne, avaient contesté quelque part ce système international en disant que les pays du Sud, ceux qui ont chèrement conquéri leur indépendance, avaient un projet estimé qu'ils pouvaient apporter leur valeur ajoutée au développement des relations internationales et du système international de manière générale, mais fort malheureusement, l'approche qui a été adoptée par les architectes, pour reprendre la formule de madame, les architectes de la modernité ont adopté une approche qui est plus exclusive que inclusive. Or, aujourd'hui, on revient pour dire qu'il faut déconstruire peut-être ce qu'il y a aujourd'hui pour revenir à des approches unilatérales ou bilatérales, mais on s'éloigne de plus en plus de l'approche
de l'approche inclusive, pardon. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez chacun des questions. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Peut-être Laurence. Oui. Moi, je serai courte et puis on peut discuter. On peut continuer à discuter ensuite pendant. Oui. Pour la dernière question, parce que je pense qu'on est d'accord en fait, mais je ne suis pas persuadée que tous les États aient été et que tous les et toutes les voix puissent aient pu être entendues hein, aux Nations Unies. Et je ne dis pas que c'est un système parfait. Hein. Mais ce que je voudrais revenir, c'est sur la question sur l'Union européenne, parce qu'en fait, à mon avis, c'est un effet miroir au plan régional. Personne n'a parlé du Brexit, mais le Brexit, c'est quoi? C'est quitter une organisation internationale. Hein. Et vous voyez bien qu'il y avait un désenchantement, on pensait qu'il y avait mieux, puis maintenant, il y a des atermoiements incroyables. Quoi. Et puis, il y a une crise de la démocratie représentative. Quoi. Les députés sont incapables de prendre une décision. Il faut que ce soit les autres pays qui prennent la décision pour le Royaume-Uni. Et pourtant, c'est un pays qui a un nombre d'intellectuels et de très hauts dirigeants politiques. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'en ce moment, l'Union européenne, elle est aussi prise dans les feux de ses maux internes et que par rapport à une administration américaine à laquelle elle n'était pas habituée, elle ne sait pas encore comment répondre. Et c'est, je pense, très dommage. Oui, alors, moi, je pense... Allusion au programme du président Boumediene pour le mouvement des non-alignés, qui était... Il y avait deux volumes, d'ailleurs, magnifiquement faits, auxquels j'ai contribué moi-même, qui ont été présentés à un sommet de l'OPEC et puis qui ont été présentés à l'Assemblée générale des Nations unies. Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez, le mouvement des non-alignés a été écrasé par la guerre froide, finalement, et puis la crise de la dette, y compris pour l'Algérie, qui est tombée dans un endettement très fort. Et donc, c'est avec l'instrument dette que, finalement, le mouvement des non-alignés a perdu de son efficacité. Tous les grands ténors, y compris le Mexique, par exemple, à l'époque, qui était un grand ténor, ont perdu leur influence et le... Finalement, on a eu cette polarisation où le religieux a été mobilisé. Moi, je rappelle tout le temps que le vocabulaire du mouvement des non-alignés était un vocabulaire complètement laïque. Jamais des valeurs religieuses n'ont été invoquées par le mouvement des non-alignés. Mais c'était ça. C'est pour ça qu'on leur en a voulu, parce qu'à l'époque, qui était l'époque déjà de la guerre froide... Il y avait mobilisation de l'islam, du christianisme et du judaïsme pour faire tomber l'Union soviétique. C'était déjà là. Bon. Aujourd'hui, le mouvement des non-alignés il survit un petit peu. Le groupe des 77 aux Nations Unies, il est là. Il s'occupe d'architecture financière internationale. Mais bon, il se passe des choses intéressantes dans votre pays, en Algérie. On va voir. On espère que ce n'est pas une révolution qui va déraper. Merci. J'aimerais bien répondre à la question de madame. La réponse est toute simple. Engagez-vous. Engagez-vous pour une cause ou bien pour que votre gouvernement, nos gouvernements, fassent quelque chose. Mais je pense que la meilleure manière de faire bouger les choses, c'est de s'engager pour une cause. Il a souvent été question du président Trump aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé aux États-Unis après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris qui a été mentionné. Il y avait des villes, il y avait des entreprises, il y avait des groupes de citoyens, il y avait des communautés qui ont dit « nous ne sommes pas d'accord », mais qui ne se sont pas arrêtés là, mais qui ont dit « nous faisons quelque chose ». Et je pense en fin de compte, et là je reviens aux objectifs du développement durable, il y a tellement d'actions que nous pouvons prendre pour améliorer les choses. Je pense que si déjà chacun et chacune d'entre nous s'y mettait, on vivrait dans un monde meilleur. Donc ça commence là et ensuite les gouvernements vont suivre. Je vous le dis comme un représentant d'un gouvernement. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, mesdames et messieurs, pour votre participation, pour vos questions. Merci à nos formidables intervenants.
Demain soir, professeur, vous serez à nouveau sollicité, je crois, à 18h30. Et nous, nous allons faire évidemment ce que nous pouvons faire avec Guy Mettan et avec Olivier Couteau et toute l'équipe, c'est-à-dire continuer de discuter, continuer de vous inviter au Club Suisse de la Presse. Merci beaucoup. Et nous vous invitons maintenant à déguster un buffet avec nous. Et je crois que Alain Bitard, où est-il? Vous voulez nous dire un dernier mot? J'ai tout soudainement eu envie d'avoir un mot un peu politiquement incorrect. C'était de dire, imaginez simplement, puisqu'on parle de gouvernance mondiale, imaginez ce que n'importe quel citoyen du monde arabe voudrait répondre à cette question lorsque on parle de gouvernance mondiale. Il y a un deux poids, deux mesures permanent auquel le monde arabe est confronté. Il y a toujours ce qui est blanc, ce qui est noir, et en général, on a tendance à être dans le noir, dans le monde arabe, et à regarder le blanc qui nous est présenté comme l'idéal, alors que d'un coup, M. Trump décide de couper les subsides à l'UNRWA, M. Trump décide qu'Israël a le droit de coloniser le Golan. Monsieur Trump décide. Alors, est-ce que c'est la gouvernance mondiale? C'est Monsieur Trump et Monsieur Netanyahou ensemble? Voilà. Je voulais aussi remercier la MAGE qui était avec nous pour organiser également ce débat et déplacer les jeunes. Et je voudrais aussi évidemment remercier toutes les personnes qui nous ont suivis en direct sur le site du Club Suisse de la Presse. Merci mesdames et messieurs, et maintenant allons déguster quelque chose ensemble. Merci beaucoup.